Olice TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue à cette ouverture critique, mais ce n'est pas n'importe quelle ouverture critique parce qu'il s'agit de l'ouverture critique de Limbe. Voilà, ici présent et présenté avec avantage par Lorraine. Alors c'est un, un nouveau format qu'on qu teste parce que pour des raisons euh, techniques, euh, nous, sommes, euh, voilà, nous, nous sommes passés euh, par le live. Et puis ça nous permet aussi, dans un live très condensé, hein, un, un live qui va durer euh, environ le temps d'une ouverture critique, ça vous permet également de euh, découvrir un nouveau jeu. Alors Lorraine, bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mystérieux ouvrage que tu as dans les mains Alors, euh, L'Homme, c'est un jeu qui a été édité par les Douce-Singes suite à un financement participatif. Euh, il fait partie de la collection Clé en main, mm -hmm. où, en fait, vous avez, euh, quand vous achetez euh, la campagne et les aides de jeu, vous avez absolument tout pour jouer. Il y a le système, euh, l'histoire, les aides de jeu, il n'y a besoin de rien d'autre. Bon, les dés et des joueurs. D'accord, ce, ce qui est utile. Et qu'ils soient en distanciel. Ou non. Euh, alors, Limbe, titre assez énigmatique, quel, quel, est, le, quel est le genre de, de ce jeu C'est de l'horreur. Oh, mon Dieu. Euh, en cette est... période de Noël, franchement, oui. tu n'as pas honte <laughs> Désolée, ça, oui, euh, effectivement. Ça, ça se passe en hiver, cela dit, mm -hmm. mais effectivement, peut-être pas. Un peu, avant, euh, un peu avant le Noël, quand même. pas très joyeux. D'accord. Donc, style d'horreur, et quel cadre c'est, moderne Alors, c'est, ça se passe aujourd'hui, mm -hmm. de nos jours. Euh, c'est l'histoire de, de Marion, euh, une jeune fille de 20 ans qui veut fêter euh, son anniversaire dans le manoir abandonné qui appartient à sa famille. Et donc qui invite euh, des amis proches à elle pour fêter euh, sur un week-end son anniversaire des 20 ans. Voilà. Ah, donc donc, donc tout passe. va très bien se passer, c'est l'anniversaire 20 ans, le bel âge. Voilà. Et dans un manoir abandonné... Et... Euh, ça donc, va tout, bien se tout passer. peut très bien. Aller. Alors euh, ça se passe comment est, euh, on, on est dans un format de scénario, on est dans un format... C'est une, de jeu qui peut une être campagne rejouable. de. Euh, alors, avec un, un groupe différent, je pense qu'on peut le rejouer. Il y a cinq scénarios, oui, c'est ça, cinq scénarios, si je ne me trompe pas, euh, qui se suivent et qui forment une campagne. D'accord, toujours dans le cadre de ce manoir en oui, hiver oui, oui, pendant l'anniversaire. Ça se passe tout le week-end. Euh, on les suit justement tout le week-end et tout ce qui va leur arriver justement pendant le week-end. Donc, alors, toi, tu as apprécié cette, euh, cette campagne, cet ensemble euh, oui, d'habitude je me méfie un peu des jeux d'horreur, mais là il est... il est très bien écrit. Euh... Déjà, on suit l'histoire. L'auteur le... a fait euh, l'effort de résumer en fait tout ce qui s'est passé avant la campagne et qui amène le déroulement des événements au tout début dans l'introduction et un rapide résumé euh, des, euh... des scénarios, ce qui fait que quand on commence à lire les scénarios etc, on a une vue d'ensemble, ce qui fait qu'on n'est jamais mmh. perdu. Euh, la lecture est très agréable et du coup pour faire les Faire jouer les, les scénarios, on n'est on est pas perdu. Euh, voilà. Ce sont des, des prêts tirés avec lesquels on joue. Oui, il y a les, les prêts tirés. Alors, hop, je montre. Euh, je vais te montrer celui de Marion, justement, dont on parlait. D'accord. On va passer au, On va voir le feuilletage hein, sur lequel oui. que tu vas commenter. Hop. Et alors, euh, donc, tu disais, euh, donc, c'est de l'horreur. On est dans une horreur euh, psychologique. On est dans une horreur où il y a du gros monstre qui va sortir. Il y a un gros monstre, d'accord on va pas spoiler, pas spoiler, on va pas spoiler. Voilà. Oui. Euh, mais c'est plus euh, psychologique. C'est pas du tout du Cthulhu Il y a aucune tentacule qui se cache quelque part. C'est mmh. vraiment, c'est plus un. Oui, enfin, c'est pas du Cthulhu. <laughs> ouais, mais, que... de toute façon, Même dans l'œuvre de Cthulhu y a, Même dans l'œuvre de Lovecraft, il y a finalement très peu de tentacules, euh, et tout ça. <laughs> bah, ce que je te propose, c'est on, on passe à, au, au feuilletage et puis tu vas pouvoir euh, nous donner euh, toutes tes impressions euh, dessus et puis euh, également après, on va sortir. De toute façon on va passer le feuilletage dans la petite discussion qu'il y a dessus. C'est parti. Je voulais préciser que ça fait 80 pages le livret. Donc il est, euh, il est relativement peu épais, ça se lit assez vite. Euh, du coup, bah, la page de Crédit... Oui, la page de gare. <laughs> oui, voilà. a... D'ailleurs, l'auteur, je ne l'ai pas cité, c'est Nicolas Guérin. Voilà. Mm -hmm. Euh, dès le début, euh, l'auteur précise justement que c'est une campagne d'horreur et qu'il faut éviter de la euh, faire faire aux plus jeunes. D'accord. Voilà, comme ça on est prévenu, c'est vraiment littéralement le premier paragraphe. Et là on voit euh, l'introduction où il explique les scénarios, ce qui a mené à la campagne, euh, les accomplissements personnels pour les personnages, j'y reviendrai euh, dans le feuilletage de l'affiche des personnages, et euh, les scénarios tout de suite après. Chaque scénario commence par une nouvelle d'ambiance. Et euh, les cadres qu'on voit de temps en temps, euh, dans les... ce sont des conseils OMG euh, mm -hmm. qui sont répartis au long des scénarios que l'auteur justement a mis pour aider pour l'ambiance, pour aider euh, sur certains points du scénario où il faut euh, insister, pour donner des caractéristiques des PNJ, etc. Est-ce que tu... on, on... le manoir, c'est quand même un, un personnage principal finalement oui, alors il fait plutôt, c'est plutôt enfin, c'est plutôt le décor en fait. Il agit pas, euh, lui-même ne, ne bouge pas. Il sert juste vraiment que de décor. D'accord. Donc c'est Alors si tu, tu m'as pas dit le, le manoir, il, il se situe où euh, Il se situe, alors c'est euh, dans, la, dans la région de Toulouse si je me souviens. D'accord. Donc on est en France. Oui. Hum, en fr voilà. Ça se joue en France euh, en France de nos jours. D'accord. Et alors donc la première, là on a donc dans le bouquin, euh... donc on n'a pas de création de personnages, on a juste non, en fait... C'est les pré-tirés, uniquement les pré-tirés. Voilà, et puis donc là je vois le scénario, c'est écrit euh, samedi matin. Voilà, <laughs> donc... il est très bien découpé, du coup, on sait, il euh... n'y a pas beaucoup de dessins, mais c'est mm -hmm. très bien découpé, donc on s'y retrouve assez facilement quand on le feuillette. Alors les, les personnages pré-tirés dont tu parles, c'est tous des invités... Euh... C'est Marion, le personnage qui fête son anniversaire et ses amis proches. Donc, euh, Marion est quand même un petit peu plus importante que le reste de... des personnages. Euh... Enfin, je veux dire, est-ce est que ça veut dire que c'est un joueur qui va jouer un personnage plus important euh, que les autres je, je crois pas qu'il soit. Euh, en termes de jeu, il n'est pas plus important. Il lui arrive effectivement des trucs un peu plus spécifiques et l'histoire tourne effectivement autour d'elle. Mm -hmm. Mais euh, en soi, euh, pas, elle ne jouera pas un rôle plus important euh, dans, le, dans le reste de l'histoire. Tout ce qu'elle peut faire, les autres peuvent le faire aussi. Alors, euh, on a Richard qui demande, est -ce, pourquoi est-ce qu'on choisirait l'imbe sur euh, L'Appel de Cthulhu Je veux dire, quel est le style d'horreur Comment tu qualifierais cette, cette horreur C'est quelque chose qui s'immisce C'est comme dans les films, on se, finit à, on se met à courir partout après euh... Sans spoiler. Sans spoiler, c'est difficile. Je dirais qu'on commence à courir relativement tôt quand même. D'accord. <laughs> et on finit de courir euh, à la fin. <laughs> c'est <laughs> tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui. Voilà. Oui, donc oui, dès le début, on, on devine donc, voilà, que quelque chose ouais, va. C'est pas. Enfin, c'est pas extrêmement. Il n'y a pas du gore ou du trash, ce genre d'horreur. C'est vraiment en mode. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas et on essaye de le gérer aussi bien que possible. D'accord. Je dirais okay. que c'est plus ce genre d'horreur. Je suis pas. Okay. Alors, on va passer à la deuxième, euh, de, donc, au, au deux, la deuxième partie, donc c'est avec les personnages tirés, si je me trompe pas. Jeu. Oui, bah, là, mm -hmm. là c'est le, les, les aides de jeu, il y en a 26 fiches au total. Mm -hmm. Là ce sont les tirés. Euh, chaque prétiré c'est le résumé du personnage qui permet euh, de, le, de le comprendre un peu mieux, de voir d'où il sort et les relations qu'il a avec les autres PJ. Et derrière, bah, les caractéristiques chiffrées euh, et les atouts. Euh, pour, bah, pour le personnage, en fait, le côté chiffre et feuille de personnage, vraiment. Uh -huh. Alors, du assez coup, rapidement, on n'a pas parlé. Le système de jeu, c'est comment comme système de jeu C'est le, le système clé en main. Uh -huh. euh, ça se joue avec 3D6 uh -huh. euh, auquel on ajoute la compétence et on doit dépasser la difficulté fixée par le MJ ou, euh, si c'est un jet en opposition, euh, ça doit dépasser bah, le résultat du jet de dé de l'adversaire. D'accord. Oui, donc oui, de toute façon en fait le, le système est plus le, le faire valoir de, de l'histoire en fait, C'est pour pouvoir bien jouer. C'est euh... un des points, la, la plupart du temps oui, euh, sauf à un moment où, enfin à certains moments où vraiment les joueurs doivent lancer des dés et euh, bah, ça scelle un peu leur destin et ils n'ont rien pour les rattraper, ce qui est un petit peu dommage. Je pense qu'avec un peu de travail du MJ ce serait suffisant pour euh, euh, changer ça. Alors, euh, je vois qu'on a passé les aides de jeu. Il y en a 11 oui. en couleur à distribuer aux joueurs. C'est marqué dans les fiches, là où elles peuvent, euh, dans l'histoire, là où on doit les distribuer. Il y mm -hmm. avait les accomplissements personnels à distribuer aux joueurs. Euh, et la fiche de suivi du MJ pour savoir qui a fait les accomplissements personnels de. Des scénarios et les différentes jauges pour calibrer l'adversité DMJ. Et là, ce qu'on voit, ce sont les fiches de résumé euh, du, euh, du système. En six fiches, on a le système. Voilà. Alors, juste une donc, Quand on, ach... et, et, on achète, il n'y a pas d'écran. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, non. par exemple, non, non, plusieurs fiches qu'on pourrait mettre. Voilà, qui, qui pourrait faire cela. Tu, tu le fais jouer, ce, ce scénario, hein, si je me. Oui, ce par jou... écrit. Si, tu... tu le fais jouer par écrit. Ah, ça, c'est en... donc en textuel. Oui. Alors voilà, donc ils sont tous à l'anniversaire, on espère qu'ils vont pas disparaître dans le manoir, bien entendu. Donc euh, au, au, au final, quest dans, dans ce scénario-là, enfin dans l'imb, avant point positif, point qui demanderont un petit peu de travail. Tu as déjà un petit peu parlé de qu'à certains moments dans le scénario, euh, finalement le, le sort n'était pas forcément une décision, c'était un, oui, c'était plus déjoué. Là je trouve que le système prend beaucoup trop la, la part sur le. Sur l'histoire. Après, mm -hmm. euh, en tant MG, on a toujours possibilité de changer ça. Mm -hmm. euh, je vais continuer du coup sur les points négatifs, je reviendrai sur les points positifs. Après, euh, la fin qui est un peu brusque à mon goût. Euh, pareil, la fin se joue sur un jet de dés et c'est la fin. D'accord. L'anniversaire, le tout gâteau. Un petit peu plus euh, bas, de, 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 de contexte et de qu'est-ce qui va leur arriver dans les 5, 10, 15 minutes après. Euh, pas forcément 20 jours ou 20 ans après, mais un peu plus. Après, mmh. l'OMJ peut toujours bah, continuer, euh, c'est toujours, euh, encore une fois, c'est au MJ aussi de, de, de broder. Et euh, un truc qui m'embête toujours quand je prends les jeux, je pense que toi aussi, les fautes d'orthographe. Il y en a relativement peu dans le texte, elles gênent absolument pas euh, la lecture, mais il y en a dans les aides de jeu. Voilà, ce qui est un ah, peu embêtant. Oui. Alors, une inversion de deux pièces, un nom qui n'est pas le bon, c'est corrigeable. Mais quand on veut distribuer les aides de jeu pile aux joueurs, bah. Alors, attends, j juste peu. pour être plus précise, euh, c'est des, des coquilles ou c'est vraiment des, des problèmes euh, euh, de okay, d'appellation de. C'est euh, par exemple, il y a le. Attends, je te mets alors, en. En, en grand, en... voilà. Vas-y. Il y a la, la salle de musique et la bibliothèque qui sont inversées sur le plan. Ah oui, par, soi, rapport par, bah, par rapport à ce que tu donnes. Par rapport à ce qu'elles sont décrites dans le livre, en fait, on décrit que la bibliothèque est attenante au salon et qu'en face, il y, a la, euh, il y a la salle de musique. Et sur le plan, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, bon, on peut suivre le plan, c'est pas le problème. Euh, du coup, mais il ne faut pas se tromper. Si on lit un peu le, le livret aux joueurs pour décrire les pièces, il ne faut pas se tromper quand on lit parce que, du coup, ça va plus être à corps. accord. D'accord. OK. Point positif euh, les points positifs, et bah, comme je l'ai expliqué, enfin comme je l'ai dit au début, euh, c'est très bien expliqué, on n'est pas perdu. Dès le début, on a les tenants et les aboutissants, ce qui va passer dans chaque scénario, donc on a une vue d'ensemble, ce qui est top. Mm -hmm. Ça évite de se retrouver au milieu et de se dire, tiens, ce PNJ, qu'est-ce qu'il fait là euh, C'est quoi Pourquoi il y a ça déjà Donc ça, c'est très clair. On a des conseils OMJ tout du long, donc pour les MJ débutants qui ne savent pas forcément faire jouer de l'horreur, ou qui ont. Enfin voilà, des conseils, c'est toujours bien. Euh, les. Il y avait euh, les jauges, notamment, qui sont utilisées pour calibrer en fonction du nombre de personnages joueurs, en fonction des actions des personnages joueurs, ce qui permet de vous mettre un peu plus de difficultés suivant ce qu'ils font et combien ils sont. Euh, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas lire, 300 pages de règles, 6 <laughs> feuilles, recto-verso, ça va, c'est court. Oui. Euh, voilà, les pré tirés, pareil, on n'est pas obligé de se creuser la tête, ils sont bien construits, chacun a ses forces, ses faiblesses. On a le résumé, justement, au début, qui permet d'appréhender bah, un peu plus leur caractère, comment ils vont se comporter et les relations avec les autres, PJ. Mmh. Et puis, euh, bah, le, le texte qui est... Euh, y a, y a, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de dessins ou d'images. Mais vraiment, c'est très clair et très lisible. Et ça, c'est un plus parce qu'il <laughs> y a certains livres, on s'abîme un peu les yeux dessus. Et là, c'est vraiment pas le cas. Quel est voilà. le prix de, de Limbe euh, 32,90 euros. Voilà, 32,90 euros. Alors, Nicolas nous demande quel est le retour de, ces joueurs. Enfin, de tes joueurs. Pardon. Euh, ils ont envie de continuer, ce qui est un bon oui. signe. Après, je n'ai fait que deux parties. Il faut savoir qu'à l'écrit, c'est plus long. Donc là, mmh. on n'a pas encore fini le premier scénario. Donc, voilà. Ah oui, tu es quand même avancé dedans. Donc, ils sont un peu. Juste une dernière petite chose sur ces fameux euh, scénarios, parce qu'on n'en dit pas plus. Euh, en fait, ils sont tous dans le manoir, en fait. Oui. D'accord, ok. Oui. Bon, bah, tu, tu, as voilà. répondu, tu as répondu. Je voilà. ne peux pas. <laughs> D'accord. Oui. Mais il se passe finalement toujours dans la même oui, unité temporelle. Il savoir... y a une zone géographique et on va rester là, on ne va pas partir, ça ne va pas être des voyages. Ça va vraiment rester dans la limite du terrain. Euh, en fait, de ce manoir-là. Et, et euh, mais ce que je veux dire par là, voilà, il y a une unité de temps, c'est-à-dire que c'est toujours dans le cadre de cet anniversaire. Oui. Ça oui. commence le vendredi soir, enfin le vendredi après-midi exactement, et je crois que ça se termine dans le dimanche, je ne sais plus quand exactement, ouais, parce, que, mais parce ouais. que le lundi, il y a école. <laughs> donc, ça, euh, oui. <laughs> alors, juste pour conclure, euh, pour reprendre ce que dit Todama, tu payes tes 32 euros euh, pour faire l'acquisition de l'IMBE, tu as... C'est le fameux oui. clé en main pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. C'est ça. Le livret avec l'histoire, les aides de jeu, les prêts tirés les fiches de système. Il manque les joueurs et les dés. Et voilà. Et après, euh, puis en plus, c'est des D6 qu'on on peut dévaliser les Monopolies euh, euh, qui, fait, peuvent, en enfin, là, qui peuvent encore euh, traîner. Bon, bah, écoute, Lorraine, merci pour euh, pour tout cela. Donc, un, un grand merci également à, à ceux du chat. Hein. Donc, on va continuer à faire hein, ces mm -hmm. petites euh, vidéos comme ça en live. Vous voyez. Euh, c'est- à-dire euh, vite regarder et puis on on, voilà, on va pas s'étendre euh, dessus. On vous souhaite donc à tous une excellente soirée. Demain nous allons avoir euh, nos, nos cats. On va être envahi par les chats donc c'est un, un, un apéroliste qui n'avait pas été prévu qui a été annoncé euh, du fait de la, du grand grand succès surprise. Par bien des aspects du financement participatif. Et bien entendu, euh, vendredi, ça sera Christian Lehmann. Si vous saviez tout tas de Chroniques d'Outre-Monde qui sont là juste derrière, je suis en train de, de tout filmer et on a hâte, hâte, hâte de le recevoir. Lorraine, je te dis à demain pour euh, le chat. Ça tombe bien, tu en auras certainement oui, un qui sera. Oui, J'amènerai le... le mien. <laughs> voilà, c'est parfait. Au revoir à tous et que vos parties soient belles.